Considérons une suite U définie par le terme général un est égal à n moins n carré, avec n supérieur ou égal à 0, et il faut ici établir le sens de variation de la suite U. Alors pour établir le sens de variation, je vais ici calculer U n plus 1 moins un. U n plus 1, je remplace n par n plus 1. Donc j'obtiens n plus 1 moins, entre parenthèses, n plus 1 au carré, moins un, c'est-à-dire n moins n carré. Je vais simplifier le résultat. N plus 1 moins, identité remarquable, n carré plus 2 fois 1, 2, 2n, plus 1 au carré me donne 1. Je développe, moins n, et moins multiplié par moins, plus n carré. J'obtiens ici n plus 1. Ici, je distribue, hein, je multiplie par moins 1. Ceci me change les signes, hein, du membre des parenthèses. Je vais donc obtenir moins n carré moins 2n moins 1 moins n plus n carré. Je simplifie par n carré. N se simplifie. Plus 1 moins 1 se simplifie. Il me reste moins 2n. Donc, un plus 1 moins un est égal à moins 2n. Je travaille avec des valeurs de n supérieures ou égales à 0. Si je multiplie par moins 2, hein, je vais donc obtenir moins 2n. Je change ici le sens de l'inégalité parce que je multiplie par une quantité négative. 0 multiplié par moins 2, 0. J'ai donc obtenu moins 2n, hein, est une quantité qui sera négative. Donc à partir du moment où un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0, je peux affirmer, hein, que la suite U est décroissante, et ceci quel que soit n supérieur ou égal à 0.